Putain, ça fait déjà 3 fois ce mois-ci. D'accord, tu comptes que les fois où il t'a réveillé. C'était quoi cette fois? Toujours la même chose. Toi et ta famille? Ouais. Je suis désolée. C'est pas grave, tu peux rien y faire. Merci d'être là. C'est normal. Écoute, si je peux faire quoi que ce soit pour toi. Ça va aller. Je vais m'en remettre. Je m'en remets toujours tout seul. Oui, mais là. C'est de plus en plus long, et ça arrive de plus en plus souvent, Pierre. Je sais. T'inquiète pas, ça va aller. Une fois qu'on sera dans le sud, on trouvera un moyen de t'aider. J'arrive pas à dormir. Je prends le relais si tu veux. Je vais faire l'itinéraire pour demain. Ok. C'est pas normal. Quoi? C'est pas le style à vouloir prendre le tour de garde. Je sais pas, il a peut-être changé depuis la mort de Ben et Charles. Ouais, il a changé, ouais. Pas forcément bien. Bon, il nous reste un peu moins de 100 km si on passe par là et qu'on traverse la rivière qui est ici. Oublie cette zone, elle est trop dangereuse. Il y a une bombe sale qui est tombée dessus il y a quelques temps, elle est encore infectée. On n'a pas le choix, si on passe pas par là, ça nous rajoute plusieurs jours. Oublie, c'est trop dangereux. Sinon, il y a cette route. Je crois que tu voulais éviter les grands axes. Ouais, mais si on longe les bordures et qu'on passe par les forêts environnantes, ça peut le faire. Ça nous rallongera de combien de jours? Un, peut-être deux. C'est dangereux, mais c'est tentable. On pourrait s'arrêter dans ce village en fin d'après-midi. On pourrait y trouver un abri pour dormir. Je crois que c'est une bonne idée. On va faire ça. Juste une question. Oui. Toi et Anna hier soir. T'inquiète, on s'est discuté. Problème? Non, la nuit a été courte.
Ok, prépare-toi, on part dans quelques minutes. Si on avance comme il faut aujourd'hui, on pourra trouver en fin d'après-midi un abri où dormir. Okay. C'est reparti pour une journée en enfer. Restez ici, je vais vérifier l'intérieur. J'ai trouvé quelque chose. Salut bonhomme, comment tu t'appelles ? Hé, hey, t'en fais pas, on est là pour toi. Oscar. Oscar ? D'accord, on va s'occuper de toi, ok ? Écoute Oscar, on a besoin de trouver un endroit où dormir. Y'a quelqu'un dans ta maison ? Y'a plus que papa, mais il a pas été gentil. Il a fait mal à maman. Tout va bien ? Ouais, ça va aller. Oscar, où est ton papa ? Maman s'enfermait avec lui dans la chambre, mais depuis j'entends plus que papa. Je crois qu'il a mal, il gémit souvent. Je sais où c'est. J'ai trouvé devant la porte. Jules, va voir avec Pierre à l'intérieur. Pourquoi moi ? C'est bon, j'y vais. Oscar. T'as fait mal ? Oui, il m'a mordu. Oh non. Tu peux me montrer ? Ça fait mal ? Ça pique un peu, mais ça va. T'as quel âge ? 6 ans. On fait quoi ? Je sais pas, c'est quoi la gravité de la blessure ? Faut que je regarde de plus près, mais ça a l'air superficiel. Ça n'empêche rien que ce soit une blessure. Et... tu sais autant que moi que le sang de zombie est contagieux. Max, tu peux venir ?
porte était fermée. On l'a ouverte et Pierre s'en est occupé. Il était en train de le bouffer. Vu l'état du corps, ça doit faire au moins 2 semaines qu'elle est morte. Attends, 2 semaines? Ouais, peut-être plus. Combien de temps la transformation normalement? D'après ce que je sais, entre 1 et 3 jours. Pourquoi? Le petit est mordu. Quoi? Tu te fous de moi? Attends, si ça fait 2 semaines, il aurait déjà dû se transformer. Le petit nous a dit que son père l'avait mordu et que, pour le protéger, la mère s'est enfermée dans la chambre avec lui. Il t'a peut-être menti. C'est qu'un gamin, Max, merde! Comment tu peux prendre ce risque après ce qui est arrivé à Ben? Tu vas faire quoi, hein? Tu vas buter ce pauvre gosse? Je ferai tout pour sauver ma peau. C'est pour toi sauver sa peau, je préfère pas exécuter les enfants. Il va crever. C'est pas terminé. En parler avec les autres mâts. Le bras de venir en. Apparemment, il n'y a pas de traces d'infection. C'est une chance vu le temps qui s'est écoulé. La blessure est ancienne, mais pas très profonde. Ça a presque déjà cicatrisé. Merci, Anna. Le dernier qui est dans Bruno. Vas-y, mange-le, t'inquiète pas. Et si t'allais montrer ta chambre? On n'en connaît que très peu sur la transformation et la transmission. On ne peut pas prendre le risque de rester ici ou même de l'emmener avec nous. Je sais, c'est horrible, mais on n'a pas d'autre choix que de le laisser là avec un peu d'eau et de nourriture. Non, il est trop jeune. Il mourra de faim ou il se fera dévorer par les créatures quand elles le trouveront. On garde la nourriture pour nous alors. Je reste avec lui. T'es sûr? Attends, t'es sérieux là? Montre-leur. Ça fait des mois que c'est comme ça. Juste avant que tout ça arrive, j'étais avec ma famille. On s'est fait attaquer par une horde. On n'a rien pu faire. Toute ma famille a été tuée ou transformée. J'ai été mordu aussi. Je suis resté évanoui quelques jours, je pense, au milieu des cadavres. Des zombies traînaient autour de moi. Je les ai traversés sans qu'ils ne me voient. Comme si de rien n'était. Mais je pense que ça a quand même des effets sur moi. Des crises, des douleurs, des fièvres. Mais rien de comparable à une transformation. C'est peut-être parce que ça s'est infecté. Ça a été mal soigné. Pourquoi tu nous l'as pas dit plus tôt? J'avais pas confiance. T'as vu la réaction que ça provoque? Je vais rester avec le garçon, pour le protéger. Pierre. C'est mon choix. Pierre a décidé de rester avec le gamin, pour le protéger. Alors je reste aussi. Non, Anna. On a besoin de toi. Vous êtes en dehors. On va en parler?
T'es pas obligé de faire ça, tu sais. Je sais, mais je me reconnais en lui. Sans rien du Mora. Et j'en ai déjà beaucoup trop sur la conscience. Je peux pas le laisser seul. On peut toujours l'emmener avec nous? Non. Il ferait que ralentir le groupe. Puis ça ferait qu'attiser les tensions dans le groupe, et tu sais que Max a pas besoin de ça. Je commence à devenir dangereux pour vous. Puis si je restais avec lui, je pourrais comprendre ce qui m'arrive et le protéger. On va s'occuper de toi, tu verras. Tout ira bien maintenant. Au revoir, Pierre. Adieu, Anna. Ce sera pas un adieu pour moi. Je t'ai noté toutes les indications sur la carte. Tu sais où on va. Pas de problème.